Salut les gars, aujourd'hui je vais vous présenter une Kalachnikov. Ouais, moi je l'appelle comme ça, c'est sûr, le titre ça va être comme ça, mec. Ah, je vais pas la louper celle-là. Stop. Ta mère elle est belle. Elle a de bonnes culs. On est sur une Golf 6 GTI édition 35 avec vraiment une belle prépa. Que ce soit esthétique, que ce soit moteur, elle est vraiment incroyable. J'ai des chairs d'ampoule. J'ai posé déjà quelques petites questions au proprio. Il m'avait dit qu'elle était en stage 2, c'est ça? C'est ça. En stage 2, du coup, t'avais quoi? T'avais rajouté quoi déjà, tu m'as dit? Admission ramère, valve 145 bar RS4. Et ben j'ai ça, après j'ai des kata. Ok. T'avais le full tube, mais tu l'as enlevé, c'est ça du coup? Non, j'ai toujours un full tube, mais sauf que là maintenant ça passe par. J'ai un intermédiaire à clapet que je peux régler quand je veux, comme ça si je me fais contrôler ou autre, je peux les enlever ou pas. Silencieux pour faire moins de bruit. J'ai un kit autotech, une pompe BP aussi, TTRS. Elle sort combien à peu près? Là, il faut que je la repasse au vent parce que quand je l'ai passée, la voiture elle était bouillante, mais elle sortait 355-360 dans ces eaux-là. Et là, pour la vidéo, j'ai mis un peu d'éthanol pour que ça marche un peu mieux. J'ai entendu une rumeur, qu'est-ce qui paraît, t'en mangeais pas mal, c'est ça? Un peu, ouais. C'est le 4 cylindres d'origine, enfin de la 6R au final. C'est ça. C'est les bridés au 235, mais débridés, ça fait 200. Ouais, c'est le 270, ouais, quasiment. Ouais. Là, tout ça, du coup, c'est pas d'origine? Non, grosse admission. Après, voilà, il n'y a que ça. Après, les bougies, dedans, t'as un kit autotech, t'as la valve aussi dedans. Après, voilà, niveau moteur, pour l'instant, c'est tout, mais. Ça pousse. Je compte passer sur plus gros avec un gros échangeur. C'est tout, il dit, c'est tout, il dit. Le mec, il sort presque 400 chevaux, mais c'est tout. C'est une Kalachnikov. Mais c'est tout encore. Et après, là normalement, t'as un cache, là? Ouais, mais sauf que sur ces moteurs, en fait, l'admission, elle passe dans le cache. Ah. Donc, c'est pour ça que tu peux pas la remettre. Ah oui, Seigneur, et regarde-moi ça. Tu peux mettre comme ton coup de poing dedans, carrément. Incroyable. Et du coup, niveau conso, tu sais me dire à peu près que ça consomme beaucoup ou ça va? Ça dépend comment tu tires. La dernière fois, vraiment en grosse, en bombardant, j'étais à 21 litres. Mais sinon, tous les jours, t'as 10-11 litres. Ok. Tu fais combien de morts avec un plein? 600 Ouais, 600 quasiment. 600. Oh, 600 quand même? Ouais. Ah, ça va. Ok. Après, quand t'as ressouille, je le compte pas là. C'est toi qui as mis du coup la petite calandre en rouge, c'est ça? Non, je crois que ça, c'est d'origine. Ça c'est d'origine? Ça, ouais. Ah putain, ça se voit, je m'y connais en GTI, moi. Il y a juste le logo noir qui a été passé parce qu'avant c'était du chromé, là, c'est passé en noir et rouge. Ok. C'est hyper joli. Et après, t'as la calandre, tu m'as dit? C'est ça, j'ai le. Enfin, la calandre, qu'est-ce que je dis, la lame? Ouais, j'ai la lame Maxton. Ok. Après, j'ai les écopes style Golf 7 GTI avec les anti-brouillards passant en rouge. Ok. Change un peu parce que la plupart des gens, ils nous mettent en jaune. C'est ça. T'as de la personnalité, garçon? J'ai des jantes low-tech, c'est des jantes légères. Ok. 13 kg, on passe quasiment sur en dessous de 9 kg. Tu les as achetées neuves? Ouais. Ça se voit. Elles sont toutes neuves, les jantes. Les étriers, c'est toi qui les as mis en rouge du coup? Non, je crois que c'est d'origine sur les Golf 7 GTI. Ok. Les Golf 6 GTI. J'ai des ressorts courts, moi 25 avant-arrière. Ok. Après, j'ai fait vite teinté, pareil, chez ADL. Elle est full noir, chez ADL Creation. Il est partout celui-là. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, enfin une des dernières vidéos, ADL Creation, c'est celui qui m'a fait le kit déco sur la E36. Il fait du très bon taf, allez voir sur Instagram. Un jour je serai le meilleur suceur. Du coup, à l'arrière, tu as rajouté quoi du coup? J'ai rajouté le béquet. Le béquet plus un rajout Ah non, le béquet il y est déjà, j'ai rajouté juste ce rajout et ça. Ok, je m'y connaîtrais vraiment en rien sur GTI. Ça, tu l'as rajouté ça? Ouais, pareil. Après, j'ai passé le logo noir et le fond rouge. Et après diffuseur AliExpress, tu connais. C'est vrai? Ouais. Tiens. Et après, avec le feu F1, pareil. AliExpress? Ouais. Il a une bonne finition, n'empêche, mec. Hein. Au niveau de l'esthétique, ça, c'est quasiment tout pour l'instant. Après, il y a eu le capot pareil découpé. C'était juste pour l'esthétique ou c'était pour. Ouais, c'est l'esthétique. Ouais. Ok, d'accord. Après, ça refroidit un peu mieux. J'ai l'impression, j'ai gagné 3-4 degrés. Ouais, c'était juste pour l'esthétique finalement. C'est ça. Il a un compte Instagram, les gars, allez voir. Il met des très belles photos. En plus, c'est le mangeur de voitures des Landes. Je vais l'appeler comme ça. Et le Kalachnikov. Voilà, donc là, son petit Insta, il est comme ça là. Je sais pas si vous allez le voir. De toute façon, je vais le marquer sous la description. Sur Insta, son compte de sa belle voiture pour ceux qui veulent suivre le projet. Parce que franchement, il est pas prêt de s'arrêter, je pense, vu comment il parle. L'intérieur, c'est origine, quoi. C'est ça. Alcantara, cuir. Putain, c'est magnifique, par contre. Petite couture en rouge. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Le 35, oh là là. Incroyable.
Les tapis, c'est toi qui les as achetés en GTI comme ouais, ça. C'est ça. Ouais, ils sont jolis. Là, le volant, pareil, d'origine, t'as pas mis de... Non, pas encore. Ok, ah, tu vas le mettre ? Ouais, je pense, ouais, okay. Un petit carbone Alcantara. Ah, on avait oublié de préciser un peu que c'était une boîte méca. Boîte méca qui est pas comme les 6 R, du coup, en 4 roues, c'est juste en 2 roues. C'est ça. C'est bien ça ? Ouais, gagne poids et ça marche pareil. Ok, le ciel de toit noir. Tu comptes mettre un ciel étoilé par hasard ? Je sais pas, je me tâte, mais ici dans le coin, il n'y a pas trop de monde qui le font, donc je pense que je vais attendre un peu. Ouais. Quand tu prends toute une voiture toute optionnée, de toute façon, t'as ce qui va avec. Hein. Là, ça. Par contre, les petits trucs en... Ça, c'est d'origine ou c'est pareil ? Ouais, c'est d'origine. Oh là là. Tous les petits détails. Incroyable. Incroyable. Ça te dit d'aller faire un test routier, du coup ? Allez. Allez, go. La Kalachnikov, il va démarrer. Il est pas là pour rigoler quoi, donc je sais même pas à quoi je m'attends, mais je sens ça va chauffer les gars. Voilà. Non mais les gars, le machin, mais c'est pire qu'une Kalachnikov là les gars. Je voulais mettre ça comme titre, mais en fait je peux vraiment le mettre hein. Ah, c'est toi, tu peux choisir ouais, du coup. Ouais, c'est ça, mais en gros, faut que je reparte chez le mapper pour le remodifier ça. Bah, c'est parce que je voulais juste 3 coups et lui, il m'a mis tout le temps quoi. Oh mais le mec il est malade. Oh.
merci pour le passage et merci, merci. Et n'oubliez pas d'aller voir son Instagram, les gars. Franchement, incroyable, mec. Merci, chef. Putain, pépite, gros. Choqué, gros. Eh, hey, vraiment, c'est un... Oh, c'est un... Oh là 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 là, mais incroyable, mec. Oh, je suis... Pouah.